Sarah Lopez réagit enfin à l'épisode d'hier sur l'échange de sa maman et son ex Jonathan Matijas. Hier, dans la villa des cœurs brisés, lors de la session du coaching de Jonathan Matijas avec Lucie, la maman de Sarah Lopez a appelé le jeune homme pour défendre sa fille, qui a beaucoup souffert de sa rupture avec ce dernier. La maman de Sarah n'a pas été tendre, le traitant même de lâche et en précisant qu'elle ne l'a jamais apprécié. Des mots durs qui ont fait craquer le jeune homme. Par ailleurs, Sarah Lopez, toute fière, décide de réagir à cette séquence malgré les critiques de certains internautes qui l'accusent de ne pas encore lâcher l'affaire. Je vous laisse avec sa story. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. En tout cas, je voulais revenir sur ce qui s'est passé hier, sur l'épisode d'hier, parce que ça avait parlé de ouf. Ma mère, oh putain, m'a tué, ma mère, voilà, on a entendu plus parler de ma mère que de moi. Voilà. Donc, et puis vous m'avez tué sur Twitter, vous étiez déchaînée, enfin c'était un truc de ouf. En tout cas, vous m'avez bien fait rire. Donc je vais répondre à deux cas de figure. Donc déjà pour les personnes qui ont essayé de dire oui... T'essayes de reparler de lui, ceci, cela. L'épisode, en fait, il passe. Donc, ouais. Et si ça vous dérange, bah, regardez pas, parce que je vais faire que ça, en fait. Voilà, je pense que j'étais assez gentille depuis très longtemps. À chaque fois, vous m'avez pas entendu parler. Je m'en suis toujours mangé plein la gueule, parce que je parlais pas, justement. Je laissais dire ce que mes ex voulaient dire. Enfin, mes ex, non, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup qui ont parlé ou qui ont fait les miskines, mais voilà, quand c'était ce cas, j'ai pas parlé, je n'ai jamais rien dit, j'ai fermé ma gueule, j'ai continué ma vie, tout ça. Et en fait, la simple et bonne raison, c'est que je me dis, il y a le karma. Moi, je crois énormément au karma, et je me dis, tôt ou tard, la roue, elle tourne. Fais-toi passer pour quelqu'un de bien devant tout le monde, donne-toi un rôle, mais un jour ou l'autre, les masques tombent et la roue, elle tourne. Donc, je pense que la roue, elle a commencé à tourner. Maintenant, je veux pas dire acharnement, pas acharnement, non, ça n'a rien à voir. Jusque-là, j'ai jamais mis mon point de vue et je pense que c'est le moment de les mettre. Et puis y a des gens en qui ça va plaire, il y en a d'autres en qui ça va pas plaire, et c'est comme ça, on peut pas plaire à tout le monde dans la vie. Mais une chose est sûre, c'est que je suis contente que la vérité ait éclaté. Maintenant, concernant l'appel de ma mère, j'ai vu que des extraits parce qu'on me les a envoyés vu que j'ai pas la télé française. Voilà, ma mère lui a dit tout ce qu'elle pensait, sachant... Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, je pense que vous n'avez pas d'enfant pour ne pas comprendre. On a un enfant, on agit un petit peu comme une lionne, donc on ne touche pas à son enfant. Quand une mère voit souffrir sa fille, quand une mère voit pleurer sa fille à la mort et la voit triste, c'est normal qu'elle soit en colère et elle soit vraiment remontée. Encore, je trouve qu'elle a été assez cool, assez tranquille. Elle lui a dit vraiment tout ce qu'elle pensait. Et je pense que ce n'est pas la seule à penser ça, malheureusement, alors que ma mère connaissait notre relation. Enfin, voilà. Après, il y en a qui ont dit oui, mais toi, tu t'es pas remise en question. Alors, ce n'est pas parce que je n'ai pas parlé sur les réseaux que je me suis jamais remise en question. Voilà, je me suis remise en question de nombreuses fois dans cette relation. Voilà, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, je vais revenir tout au long de la journée parce qu'en fait, il y a des choses que je me souviens plus. Et voilà, donc là, j'essaye d'aller à l'essentiel, mais je pense qu'il y a des choses que je vais me souvenir. Ensuite, le mec fait le choqué parce qu'il dit « Oh, je pensais que sa mère m'aimait. » Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout d'un moment dans la relation, ma mère a déjà eu une discussion avec John, où elle lui a dit qu'elle ne le sentait pas du tout, maintenant que c'était ma vie et qu'elle respectait mes choix, mais que pour elle, dans son comportement au quotidien, elle voyait un jeu d'acting et voilà, elle ne voyait pas quelqu'un de vrai en lui. Donc pourquoi faire le mec choqué devant les caméras, dire oh, je pensais qu'elle m'aimait. Non, parce que ma mère lui avait déjà dit des choses, certaines choses en face. Ensuite, il dit que il attendait que je revienne. Mais c'est une blague en fait.
Le mec me quitte, part de chez moi, je vais pas vous raconter l'histoire. Puis il attend que je revienne, que je lui envoie des messages. Du coup, je suis la mauvaise parce que je suis jamais revenue. Donc, j'ai fait énormément de mal. Non, mais c'est une blague. Tu pars et tu attends à ce que je revienne. Et pas du tout. J'ai une très grande fierté, j'ai un grand caractère. Pour moi, quand c'est fini, il n'y a pas moyen de revenir ou pas. Voilà. Ensuite, quoi dire de plus par rapport à l'épisode d'India, hein, parce que j'ai énormément de choses à dire lors de la diffusion. Maintenant, j'attends les épisodes, j'attends de voir ce qui est monté, ce qui n'est pas monté. Mais en tout cas, par rapport à l'épisode d'hier, voilà, ça m'a bien fait rire. Et puis, je sais pas, quand tu es un homme, quand tu as des choses à dire, quand tu es contre, tu peux, même si c'est une maman, mais tu peux te défendre en restant poli, bien évidemment, avec énormément de respect. Enfin, voilà, quoi d'autre. De toute façon, je vais re-regarder les extraits et puis je pense que je reviendrai dessus tout à l'heure.